Yo Patalo, c'est Tao et je suis avec Sofiane, ouais. Qu'on voit à peine dans le cadre. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va ouvrir des petits boosters sympas, donc merci à lui, puisque c'est un cadeau d'Aniv, donc ça fait plaisir. C'est lui et deux zinzins qui sont derrière, qui ont choisi les boosters. Bonjour. Qu'on va vous montrer après. Ouais, ils vont venir faire une petite intervention. Donc voilà, mais avant que la vidéo elle commence, je rappelle qu'il va y avoir un petit concours. Bon, il y en a un qui doit signer au moment sur la vidéo, sur mon Insta. Je sais pas, toi t'aimes bien les cartes Pokémon quand même. Vite fait. Et est-ce que ça te ferait kiffer d'avoir, je sais pas moi, une carte Pokémon avec toi dessus par exemple? Ouais. Ce serait stylé. Et ben ça, c'est une carte Pokémon custom et vous pouvez la gagner. Les gars, c'est simple, vous allez sur mon Insta, il y aura un post de juste à liker cette vidéo, à venir vous abonner à mon Insta. Tout est sur l'Insta, le post Instagram il est épinglé sur mon compte Insta, Tao Patalo, vous allez voir ça. Là, on n'arrivera jamais à faire la pub, ils essaient de nous faire rire à côté, c'est des gros trollers. Toi, tu restes impassible. Non, je me retiens. Ah, c'est professionnel. Donc on va s'ouvrir ça, on commence par lequel? Celui-là. T'as l'air bien à l'aise. Alors ça, c'est des boosters Trick or Trade. Ces trois boosters, c'est des boosters sortis aux États-Unis spécialement pour Halloween. Donc c'est un truc qu'on n'a pas en France. Ouais. C'est un truc que j'ai un pote qui me les a vendus, donc j'ai eu un beau petit contact. Dedans, t'as trois cartes. Donc je propose que j'en ouvre un, t'en ouvres un, j'en ouvre un. On va commencer. On a des petits sleeves juste ici à côté, au cas où on a une carte qui brille, qui est holo ou autre, pour les mettre dedans. Hop, donc il y a trois cartes. Donc on va avoir en premier le petit Lycanroc, derrière le Chandelure, et en dernier, cette merde qui n'est pas holo, donc ça nous intéresse pas. Mais on avait celle-là qui est en holo, my bad. On a le Chandelure en holo, donc ça c'est cool. Ok, vas-y à toi. Faites pas les cartes non plus. Dose. Ok. Ouais, du coup, ça, c'est... Je sais plus comment il s'appelle en français. Parce que là, c'est les noms en anglais. Oh, Noctinoir. Noctinoir en holo. Pas mal, ça. Pas Mais mal du tout. Il peut y avoir une carte rare ou pas? Bah, c'est ça, les cartes rares. C'est les holos. Il y a pas d'ultra rare. Et le Spectrum, que j'avais pas. Mais là, pour l'instant, on a que la luck. On a que des cartes que j'ai pas, okay. Quasiment. Pas mal du tout, ça. Il porte chance, ça, Sofiane. Ok, deuxième ouverture. Dis-toi qu'il y en a, ils ouvrent les boosters en... Je sais pas, moi, en 5 secondes, le booster est ouvert. Nous, on galère. Attention, on a le petit Fantominus. Est-ce que le focus se fait bien? Ouais, on a le petit Fantominus. On a le Pikachu. Bon, je l'ai déjà. Mais il est sympa. Ouais, en holo, il est à chercher parce que, bah, tu sais, des collectionneurs que des c'est quoi, Pikachu. Le petit, Ça, c'est le logo de la série. Trick or Trade. Donc, c'est un Pikachu citrouille. Et ensuite, derrière, l'évolution de l'autre de tout à l'heure. Ouais. Franchement, ouais, pas mal. Là, on a eu une bonne ouverture. Des fois, on peut ne pas avoir d'holo. On a eu des holos dans chaque paquet. Voilà ici le petit booster, ta, très joli. Ok, allez on y va. On commence par faire ça. On a le QR code pour tous ceux qui jouent parmi vous, mais je l'aurais scan avant vu que je suis un rare. Moi aussi j'aurais scan avant. C'est vrai, il y a l'ultra rare devant. Oh purée. C'est une des cartes les plus, mais oui, les plus rares ever. Mais quoi? Putain, mais elle est tellement rare celle-là. Attends, mais Sofiane, toi qui disais qu'il était lourd, mais t'as... Attends, mais... C'est une carte qui est rarissime. Fais gaffe. Du coup, de l'eau... Ben là, c'est des petits Pokémon sympathiques, vous pouvez voir ici. Moi, il m'a changé, je t'ai dit. 50 balles. Non, c'est pas la plus rare du monde. Non, mais du en set du moment, c'est la plus rare du moment. Bah oui, c'est celle que les gens ont cherché. C'est une carte iconique. Et en plus, du set, c'est une des plus dures à avoir. Et c'est une dinguerie, là. Là, à cause et... J'arrive plus à parler. À cause et grâce à toi, je vais vouloir avoir ce set entier juste parce que j'ai cette carte. Tant qu'on est sur une bonne lancée comme ça, le public te redécouvre. Ça, je vais te débarrasser. Le code, tu peux leur montrer même si je l'aurais pris avant. Ouais, je sais que c'est un peu ghetto ici. Ok, donc on a Archéomir. On a Snubbull. Quaporal, donc ça, c'est sympa. On a des starters. Malamandre. Camerupt. Puis descend. Oh, ça veut dire que c'est une reverse. T'as deux reverse. Et derrière, t'as normalement là, l'ultra rare. Attention, le reveal. Oh, une ex. Une ex, mais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là pour l'instant c'est un sans faute. Du coup là on a eu deux reverse. Deux reverse, dans les nouveaux boosters t'as deux reverse à chaque fois. Donc ça c'est bon, c'est pas une dinguerie les reverse. Parce que bah t'en as partout. Ouais. Donc ça va, c'est commun. Par contre la ex que t'as là, ça mec c'est une dinguerie. Bon ça vaut pas le drac au feu mais, ouais. Mais c'est une ultra rare quoi. Donc c'est Apiren en ex vu que vous l'avez pas vu. Apiren en ex, donc on a ces holographismes un petit peu cristallisés sur le Pokémon, donc très sympa. Allez, le petit code, si vous avez de la chance, je vous en laisserai un de tout ce qu'il y a, à vous de trouver le bon. On va pas mélanger, on va tenter sans mélanger. Donc on a Kelocroc, qui pour moi est un plagiat du Pokémon Gobu, qui est un des starters, je sais pas si ça te parle. On a
On a Balignon. Oh bah, pff, spoil. Trousselin. Miamiasme. Toujours plus compliqué. Caiminus, l'un de mes starters préférés. Deuxième ou troisième gen, je sais plus. On a le petit Viridium en reverse. Donc jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention. On va avoir Azumarill, il n'y a rien à signaler. Mais je connais pas l'ordre, tout le monde, la dernière, on a une dinguerie. Je pense que c'est la dernière, la dinguerie. On va avoir ça, une énergie feu. Derrière l'énergie, des fois, il y a des trucs. Reverse, non non, rien. Chelours. Par contre, là, il nous reste pas beaucoup de cartes. Donc, à tout moment, c'est toujours derrière. Ok. Ok. Skate Park. Attention. Lockpin. Et c'est... c'est de la merde. Voilà. D'herbage. On va voir celle-là. Ok, Fire Paradox, qui est une des dernières séries du coup. Fire Paradox. C'est quoi, viens, on fait un truc. Sur chaque Pokémon, tu vas pas dire le nom du Pokémon, tu vas dire le nom que toi tu aurais donné au Pokémon. Vas-y. Le code pour les petits rats. On les connaît les rats. Ça sert à quoi les codes en fait? En fait, t'as un jeu où tous des. Chaque code c'est un booster en ligne virtuel sur lequel tu peux avoir des cartes pour faire des combats de cartes Pokémon. Mmh. Ok, donc. Ouais, énergie feu, ouais. Je l'aurais appelé magma, je sais pas, spermatozoïde. Wow. C'est un équipement dans World of Warcraft ça. Pas d'inspi. Le flop. Je sais pas. Pas d'inspi. Pas d'inspi aussi. Pas d'inspi. Ah, c'est même pas une reverse, mais what the fuck. Attends. Ah non, putain, mais je connais pas de temps passé. Ok, c'est un nouveau truc, excuse-moi. C'est un nouveau truc qu'il y a sur cette série, apparemment. C'est des cartes bizarres. Il est mignon. Je connaissais même pas ce Pokémon. Je l'aurais appelé. Mais en fait, les noms ils sont bien donnés. Eh, hey, les noms, ils sont bien faits, hein. Terra Cruel. Je vais appeler Vermisseau, lui. Ouais, peur de terre. Okay, lui, c'est un Pokémon moto. Ah, Reverse. Ah, Reverse, ça veut dire que là, il y a peut-être une Reverse derrière. Ouais. Ouais, c'est une Reverse. Barco en Reverse. Oh. Oh. Elle est pas mal. Mais bah, attends, mais elle est magnifique. Mais je connais pas ce Pokémon. On est sur Fungus Fury. C'est vraiment très beau. Alors en fait, comme c'est dans le nom, c'est Fire Paradox. En fait, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe en mode multiverse sur cette série. Mm. Et du coup, c'est pour ça que tu vois que la carte... Elle est à moitié corrompue, tu vois. Moi, j'ouvre celui-là. Et Rossé, il vient ouvrir celui-là. Vas-y. Ça vous va? Ouais, ça va. Donc, ça va être mon dernier booster de cette vidéo, les gars. Après, je passe la main aux acolytes. D'ailleurs, dites-moi, parce qu'en général, les vidéos comme ça, Pokémon, c'est un maxi-flop. Il y a genre 60 vues. Mmh. Alors, j'ai des vidéos à 15 000 vues, trucs comme ça. Donc, c'est des maxi-flops. Mais le peu de personnes qui regardent ça, j'imagine que vous aimez. Et dites-moi si vous kiffez avec des copains comme ça, parce que moi, j'aime bien. C'est plus un moment que je kiffe avec les copains et que je vous fais partager. Alors, j'avais dit que celle-ci, elles avaient une ouverture facile, mais je suis peut-être un peu. Donc là, dedans, il y a 5 cartes. Il n'y a que 5 cartes, ouais. 5 cartes, mais genre, il peut y avoir une... Ah oui, sérieux. Tu vois, il y a l'ouverture ici, ouais. Là. Bon, sinon, on va ouvrir. Voilà, c'est un nénuphar vivant. Alors, on est sur un petit clic-tic, ou tic-clic, je sais plus comment, parce que ça se ressemble tous. Ouais, mais du coup, tu connais pas le nom des... Non, pas tous, attends. Pas tous, mais tu C'est... Lui, c'est un Pokémon. Ouais. Voilà. Effectivement. Ça, c'est un Pokémon aussi, c'est... Spider-Man. C'est ça, c'est exactement ça. Et derrière, on a une rare. J'ai vraiment une luck de merde. Et ben, ah, ça, mais c'est ça, la dernière. C'est Sorbet, ouais. Bah, j'ai pas de luck. C'est bon, je pue la merde, vas-y, dis-le. Bon, les gars. Ok, on y va. Du coup, alors, on a évidemment la petite carte code que vous aimez bien et que Tao va vous laisser. Ouais. Bah, c'est pour vous. De fou. Du coup, on prend les deux dernières, comme d'habitude. Non, c'est juste la dernière. Juste la dernière, allez. Et donc, on y va. On a... Ah oui, juste la dernière, bien vu. Énergie. Ok, là, on a une sorte de petit champi avec des pattes. Ok, petit crocomoche. Chien chaud, hot dog. Ah ben, chien froid, donut man. Une sorte de petit bombe explosive. Un casque idiot. Brut, même chose. On va l'appeler dentiste. Il a des dents, il a l'air autiste. C'est gratuit. Sorte de petit jellyfish là, drôle. Regarde, tu vois le Pokémon là. S'il a mis le deuxième I, tu remplaces par un O, ça fait quoi? Oh purée, non, c'est bon. Et... Non. Ah oui, et... oh, il y a deux reverse stylés. Jacques. Et donc là derrière. Une petite VMAX. Attention, allez. Roulement de tambour. Oh. Ah, c'est... Et c'est la même qu'il y a dans le set... McDo, ouais. McDo. Et donc on a une sorte de crabe qui a des petites... Ah bah oui, non, c'est comme ça. En vrai, c'est même pas un Pokémon, c'est juste un crabe. Mais ça s'appelle Pokémon Embuscade. Les gars, lâchez un like, abonnez-vous à Tao Patalo sur YouTube, Twitch et Insta aussi. Instagram, OnlyFans. OnlyFans, code pour les rats, je te le donne. Donc là, énergie. Énergie eau. Énergie eau. De toute façon, c'est pas énergie feu, on avait dit énergie feu, ça portait chance. Tropignon. Tarinor. Tarinor. Funessir. Némancolie.
Némé, oui, my bad. Trouver un ami. Au massacre. C'est... Lame en rouge. C'est fluide et tout, c'est cool. Archéodong. Oh, putain, elle est belle. Magnézone en reverse, du coup. Ouais, bien riche. Derrière, la deuxième reverse. Deuxième reverse. Kangourex. Kangourex, les gars, je vous annonce. Hein. Attention. Dinguerie, ultra rare. Alors, je viens de voir une putain de dinguerie. Ultra rare. Ultra rare. Holo ou juste rare? Non, ultra rare. Ultra c'est rare, comment je les, c'est comment les ultra rares? Ultra rare, c'est genre les X, les V, les trucs okay. Comme ça. Ultra. Ultra rare, tu penses? Vas-y. Ah. Holo. Mais c'est Darkrai, ouais. C'est Darkrai, c'est un Pokémon légendaire, c'est... ça pète sa mère. On m'a dit, tu vas me rembourser. Ils vont régler des comptes après. Ok les gars, donc petit point sur ce qu'on a eu. On a eu ce magnifique, cet incroyable Dracaufeu, du coup, qui est une putain de secrète. T'imagines, dans la série, il y a 197 cartes, et, nous, on a et là, c'est la 215e, ça veut dire qu'il y a plein de secrètes, donc ça va être... horrible à faire, mais vraiment incroyable cette carte, très compliqué à pack. Dracaufeu ex full art, c'est zinzin. On a ensuite derrière le petit Apiren en ex, très très cool. On a le petit Noctunoir holo de la série Trick or Trade, pareil pour le petit Chandler. On a le Pikachu qui lui est très très cool, très très cool. On a le Darkrai holo qu'on a pack justement vraiment à la fin. On a derrière le Fongus Fury en holo reverse, donc on a vraiment toute la carte qui va briller, très très stylée, cette Fire Paradox. Fire Paradox remonte dans mon estime. On a le Kraparwa en holo. Ça va être que sur de la reverse avec le Camerupt, le Chamallow qui va avec, le Topico qui est du coup la version haut de Topika qu'on a connu nous à notre époque. On a le Trio Pico. Qui c'est est, pas du coup... son évolution. Si, mais il y avait Trio Picker aussi, il y avait la même version son terre. On a un Viridium très sympa, un des bons Pokémon de noir et blanc. Barpo, alors lui est imprononçable. Motorizard. Voilà, qu'un Pokémon moto, je trouve que ça a pas de sens. Mais bon, c'est pas... on va voir les Transformers après. Lui c'est comment? Niki. Niquoi? Niquoi? T'as dit quoi là? Eh, il a dit une dinguerie! Non. T'as dit ni quoi? Niji. Quoi? Nigirigon. Nigirigon. Ça se prononce. Pas dire le, tu peux pas dire le petit mot. On a le petit Jack, le Magnézone qui est vraiment aussi zinzin. Celle-là, je la trouve incroyable. Ouais. C'est un truc basique. Non, franchement, pas mal. Hein. Et le petit Kangourex. J'aime bien celle-là aussi. Ok, bon. Bah, nous voilà quand même sur une meilleure qualité d'image. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette ouverture? Moi, j'ai pensé que c'était incroyable. Pour le tout dans le tout, magnifique. Ouais, c'était sympa, des bons moments et tout. Moi, je suis content parce que c'est un très bon cadeau d'anniv, donc merci les gars. De rien. Franchement, déjà, ouverture entre copains, incroyable. Avec des dingueries comme ça, que demander de mieux. J'ai eu le drac au feu. Ouais. Et à souhaiter un bon anniversaire à Atao Patalo. Merci. Et je rappelle qu'il y a un concours sur Insta, donc allez voir pourquoi il rigole lui encore. T'as fait des chatouilles. Voilà, un mot pour la fin. Abonnez-vous. Donut. Un drac au feu.